Yo les gars, c'est Ensu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo défi. Donc sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver absolument tous les défis qu'il y aura durant ce chapitre 4. Donc si jamais il y a un défi que vous n'arrivez pas, allez sur ma chaîne YouTube, cherchez-le, ou même marquez dans la barre de recherche le nom du défi. Par exemple, je sais pas, infliger des dégâts à des adversaires. Vous marquez après juste Ensu, et puis vous allez trouver mon défi. Parce que tout simplement, ben je les ai déjà tous faits, et donc je sais très bien que... Quelles sont les meilleures techniques? N'oubliez pas évidemment le code créateur NSQ dans la boutique Fortnite, ça me soutient énormément. Les gars, j'ai pas beaucoup de soutien, donc si jamais vous pouvez le mettre, ça me ferait très plaisir. On va lancer le jeu en attendant. Et puis je vous rappelle que comme je suis un petit youtubeur, j'ai 5000 abonnés, et eh ben j'ai pas beaucoup de soutien. Donc si vous mettez mon code au moins pour le pass de combat, ça me ferait très plaisir. Et puis ça évite de soutenir des gros youtubeurs, les gars qui ont 1 million d'abonnés, laisse tomber, ils ont 100 000 soutiens. Donc ça me ferait très plaisir, et puis voilà. Moi, en échange de mettre mon code créateur, je vous fais des vidéos pour les défis. Je trouve que c'est un bon compromis. Donc c'est parti pour le défi d'aujourd'hui, qui est très simple, mais bon, on va quand même le faire ensemble. Parce que je vous rappelle que je fais tous les défis, donc même s'il est facile, je le fais quand même. Parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des débutants qui vont regarder cette vidéo qui ne savent pas faire certains défis. Peut-être que vous, vous allez réussir, mais pas tout le monde n'y arrive. Alors du coup c'est parti, je vous le dis direct les gars, je suis sur mon compte secondaire, c'est pour ça que j'ai pas de skin, parce que sur mon compte principal, j'ai fait déjà tous les défis, parce que ben comme ça au moins je sais déjà quels sont les défis les plus simples, les plus durs, et puis je connais les astuces. Donc voilà pourquoi je suis sur mon compte secondaire, pour pouvoir faire les défis avec vous. Hop. Et puis évidemment, il n'y a pas de montage les gars, c'est tout en direct, enfin en direct, on se comprend, c'est pas un live. Mais c'est en direct, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure, comme ça vous voyez que tout est fait directement. Donc voilà, on va devoir parler un petit peu en attendant, mais bon, c'est pas grave. Ça va durer quelques minutes, ça va pas non plus durer 10 minutes. Donc voilà, pas de montage. Et puis en plus, je peux pas faire de pause sur mon logiciel de montage parce que j'ai un nouveau logiciel. Hop. Donc voilà. N'oubliez pas évidemment de mettre un petit pouce bleu et tout ça, tout ça. Du coup, le défi d'aujourd'hui, c'est celui-là. Atterrir sur la nouvelle île. Hop, donc on va aller le faire juste maintenant. Hop, c'est parti. Je crois que c'est celui-là. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est ce défi-là qu'on va faire. On va voir, mais normalement c'est celui-là. Hop, c'est parti. Donc, pour atterrir, c'est très simple. Vous sautez du bus. Si vous savez pas comment sauter du bus, si vous êtes un débutant, attendez la fin du bus, vous allez sauter tout seul. Ensuite, vous allez planer vers le bas. Et vous atterrissez n'importe où sur la map, c'est vraiment très simple. Juste vous atterrissez, hop, n'importe où. Donc là, regardez, moi je vais atterrir ici. Mais vous pouvez être n'importe où. Hop, on atterrit. On peut voir en haut à gauche, atterrir sur la nouvelle map, c'est validé. Et donc, on va tout de suite quitter la partie. Et on va vérifier si ça a marché, tout simplement. Normalement, il n'y a pas de quoi. C'est un défi très simple, comme je vous l'ai dit. Hop, on vérifie. Et parfait. 1 sur 3, le défi est validé. Évidemment les gars, on n'oublie pas le code créateur NSQ pour me soutenir, ça me ferait très très plaisir. Et puis le pouce bleu, l'abonnement, les petits commentaires. Et puis sur ce, allez, ciao!